Aujourd'hui, nous allons résoudre des énigmes autour d'une quête secondaire cachée. C'est parti. Cette quête secondaire cachée se trouve ici, précisément, au bassin du coup des flammes innombrables, dans le stade du Sanctifeu. Vous avez juste à prendre ce point de téléportation. Et nous allons nous diriger vers une table de synthèse qui, lorsqu'on interagit avec cette dernière, nous procure une quête secondaire cachée. C'est parti. La quête en question, le cas de la table de synthèse. Donc on va faire suivre. Et mon prochain point face à nous. C'est parti, on nous suit. Donc c'est une quête importante, hein. Ça vous permettra de débloquer un coffre qui n'est pas débloquable si vous ne faites pas cette quête. D'ailleurs, peut-être même plusieurs coffres. Sur un, déjà, mais peut-être plusieurs. C'est parti. Il va falloir détruire des mobs, on y va. Enfin, surtout elle, du coup, en fait, Sumac. Voilà, une fois détruit, de nouveau un dialogue. Lui parle à nouveau, on a été TP. Ensuite, prochain point, donc, à ce camp, on va, eh bien, se TP à ce point de téléportation. Et se diriger vers ce dernier. C'est parti. Une fois au point, on va parler à ce PNJ. Donc on va commencer le défi. Donc là, vous devez prendre possession de cette bête, faire compétence et détruire les rochers ici. Donc là, il faut en détruire 15 au total. Là. Ok. Ici. Parfait. Ici, ici, et on est bloqué. Donc là, à ce moment-là, il faut retourner en arrière. Vous en avez en bas. Puis de nouveau en haut. Hop là, sur le côté. Parfait. On retourne de nouveau en arrière. Et ça nous permet de débloquer de nouveau des rochers. Ce qui va nous permettre d'avoir surtout 15 sur 15. Et débloquer un petit coffre. Coffre donc ordinaire. Parfait. Donc là c'est plutôt important hein, pour le 100% de la zone. On va parler au PNJ. Ensuite, on va parler à ce dernier, Pampa. Et une fois que c'est fait, on va prendre le pouvoir donc de cette bête. Et faire des coups de grappin pour récupérer en 3 minutes tous les particules. Alors, plutôt dans ce sens-là. Hop, voilà. Tac. Tac, j'en ai oublié une, juste là, voilà, cette fois-ci c'est bon. Puis ici, on y va à pied. Hop là, ensuite on va continuer là-haut en faisant un coup de grappin par là, un coup de grappin par là, et, ah, c'est dans l'autre sens, un coup de grappin ici, ok, juste là, tac. Nickel, coffre ordinaire. On continue. Donc deuxième coffre hein, déjà. Et on va parler au PNJ. Ensuite, vous allez devoir vous TP à ce point de téléportation. On va continuer à faire des défis, mais cette fois-ci avec le dernier. Troisième et dernier... petite bête là, la dernière petite bête à... avec qui on peut faire les énigmes, les défis. Donc celle-ci en l'occurrence, tac. On va parler au PNJ et ensuite on fera le défi. C'est parti. On prend possession avec la touche T. Voilà, et c'est parti. Du coup, on se lance. Et on ramasse les particules. Une nouvelle fois, il y en a 40 au total. Hop. Il va falloir continuer par là. Donc là, vous avez juste à faire ceci. Continue sur la droite. Parfait. Hop.
Nickel. Et on arrive au point de fin. Coffre ordinaire. Et on parle au PNJ. Suite à ça, on va se TP ici. De façon à parler à un autre PNJ. Et puis on devrait pas tarder à finaliser cette quête finalement. Donc là on arrive quasi à destination. Quoique c'était plus dans ce sens là. Je pense que on peut atteindre ouais, de cette façon. C'est nickel. Juste là. Tac. On parle. Ok. Rendez-vous au terrain d'entraînement dans 2 jours. Donc là, hop, il va falloir avancer le temps. Et 48 heures. C'est parti. Une fois fait, un nouveau point apparaît. Donc juste là. On va se TP ici. Une fois au point de TP, on va se diriger dans ce sens. On arrive à destination. On va parler au PNJ. Nickel. On va parler au PNJ et lui remettre les autorisations là. Enfin, le témoignage du moins. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est ce qu'on a gagné au fur et à mesure des défis. Parfait. On va reparler au même PNJ apparemment. On va lui remettre encore une facture. Ok, on doit suivre les traces de Tozan. Donc là, j'imagine qu'il va falloir aller dans ce sens. Au niveau de cette grotte, voilà, juste là. Et puis il va falloir battre ces deux mobs. Ça va être très facile, hein, bien sûr. Hop, voilà. Toi, t'es dead. Et le frérot, là, hop, il est là. Hop, t'es dead. GG. Et en plus, ils sont enfermés dans une cage. Prochain point, ici. Au même point de TP qu'on prend au stade depuis le départ. Et on va parler au PNJ. Voilà. Terminado, les amis. 30 primogèmes supplémentaires. D'ailleurs, on a gagné également un succès qui se retrouvera très certainement ici. Waouh, quel renversement de situation. 5 primogèmes en plus. Parfait. Avant de quitter cette vidéo, vous pouvez également récupérer un plat. Vous mettez l'heure et le but c'est qu'on soit dans la nuit quoi. Vous avez juste à vous TP à ce point de téléportation et le PNJ se retrouvera ici. Voilà. Donc lui il va vous donner quelque chose, un élément, je sais plus exactement quoi. On va voir ça. Donc une recette tonique de force. Donc là dans l'inventaire, on va savoir exactement ce que c'est. Tac, utiliser. Alors ce qu'on regarde dans la table de synthèse, eh bien ce qu'on vient de choper, c'est tout simplement ceci, tonique de force. Donc ça vous donne des dégâts physiques supplémentaires d'une valeur de 45%, taux crit de 10%, mais ça augmente les dégâts subis de 20%. Voilà. Toujours bon à prendre en plus pour ceux qui aiment bien les recettes boostantes. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Surtout, si c'est le cas, ben, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. La prochaine sera eh bien, une vidéo localisation de tous les coffres de la zone du bassin des flammes innombrables. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne pas la louper. Ça te permettra d'avoir le 100% exploration et un maximum de primogèmes. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Twitch ainsi que sur TikTok, les deux liens seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 5.0 et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!